Alors, cette vidéo-là présente comment effectuer, comment est constitué l'intérieur d'un routeur intégré. Donc, routeur intégré là, que vous connaissez probablement lorsqu'on fait une recherche Google puis on tape router, ben on a des images de routeur intégré. Celui-là ici en est un, celui-là ici en est un, etc. Mais on doit savoir qu'à l'intérieur d'un routeur intégré, bien, il y a différents composants. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est de montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous devez comprendre aussi que le logiciel que j'utilise pour faire le plan, ça s'appelle draw.io. C'est utilisable à partir de Google Drive. On fait « Nouveau ». Et on va chercher l'application draw.io diagrams. Si elle n'est pas là, ben, il faut la connecter comme étant une nouvelle application. Et ça nous fait un beau petit logiciel comme ça en ligne qui est un fidèle compétiteur à Visio, mais qui est pas mal plus gratuit. Donc, on va commencer comment? Ben, on va aller chercher premièrement une forme générale rectangulaire. La forme va déterminer les composants de notre routeur intégré. Et notre routeur intégré est composé de différents éléments, dont évidemment un routeur. Donc, j'aime bien quand je fais des dessins, aller chercher les formes génériques des routeurs. Donc, ça ici, c'est vraiment... on a vraiment un routeur, une icône de routeur qui est là. Et on a évidemment un routeur qui va être à cheval entre la partie interne du réseau et la partie externe du réseau. Pourquoi je dis ça? Bien, c'est parce qu'évidemment, un routeur, ça sépare deux réseaux ou plus. Puis dans le cas d'un petit routeur intégré, mais la section routeur, évidemment, a deux cartes réseau, une interne et une externe. On pourrait tout de suite la nommer, là, carte interne, puis on va lui donner une adresse IP dans pas long, mais je vais juste mettre une étiquette à côté de la carte interne du routeur, puis on va mettre une autre carte externe ou interface externe, on aurait pu écrire aussi, là, pour la mettre à l'extérieur du routeur. OK? Donc, interne et externe par rapport à notre élément routeur. Ensuite de ça, un routeur intégré, on sait que on a dans un routeur intégré, on a tel qu'on le voit à l'écran là, toujours une section, toujours des sections bizarres. Alors, ici, on voit la carte interne hein, du routeur intégré. Par contre, ici, il y a une section où est-ce qu'on peut brancher quatre postes. Probablement, tous les routeurs intégrés de la Terre là, ont ce genre de particularité-là. Si je regarde celui-là ici, il y a un endroit pour brancher quatre postes, alors qu'ici, c'est le port externe qui va être branché sur un soit un modem haute vitesse ou un modem de fibre optique de notre fournisseur d'accès Internet. Donc, d'où viennent ces ports-là? Bien, c'est tout simplement une switch, c'est-à-dire un commutateur qui est placé à l'intérieur du routeur intégré. Donc, je vais chercher un icône de switch ou de commutateur pour pouvoir... ouais, j'en ai une ici. Alors, j'ai une switch qui est là, qui est placée à l'intérieur. Et j'ai une section de la switch, bien entendu, qui va être un petit peu à l'extérieur, qu'on va voir, si on veut, à l'extérieur du boîtier de notre commutateur. Évidemment, notre routeur, lui, est branché à cette switch-là. Je vais enlever les flèches de ma connexion. Et je vais faire en sorte que le fil soit branché comme ça. Et voilà. Donc, j'ai ma switch, si on veut, mon commutateur, ma partie commutateur qui est branchée à la partie routeur. À la limite, je pourrais mettre des commutateurs et je vais pouvoir mettre des étiquettes pour identifier les différents éléments de mon réseau. Routeur. OK, comme ça. Par la suite, on sait qu'un routeur intégré est composé aussi d'un access point, c'est-à-dire un accès sans fil, qui est une interface réseau qui nous permet d'avoir du sans fil. Alors, access point, je ne sais pas si je vais avoir quelque chose comme ça. Ah, ça c'est intéressant. Je vais aller chercher, tiens, ce boîtier-là, qui est un access point qui me permet d'avoir du sans fil.
Alors, donc, je vais mettre mon access point, tiens, ici, à l'intérieur, et je vais brancher mon access point aussi au commutateur, tout simplement, comme ça. Alors, ça fait en sorte que cet élément-là va pouvoir produire, si on veut, des ondes électromagnétiques pour qu'il y ait du sans fil, si on veut, à l'extérieur de mon routeur intégré. Évidemment, à l'intérieur de mon routeur intégré, ben j'ai différents éléments qui vont être fonctionnels, dont un serveur DHCP. Il va y avoir connecté sur la carte interne du routeur intégré, de la partie routeur, il va y avoir un serveur DHCP qui va écouter à l'interne. Et il va aussi y avoir un serveur web qui va être connecté à l'intérieur de ce routeur-là. Pour connaître l'adresse IP de l'interface interne, bien évidemment, à l'aide de votre poste de travail et de la ligne de commande, bien, il s'agit de faire un ipconfig. Et le ipconfig, on cherche la carte réseau, la carte Ethernet de filaire, si on veut, sur notre poste qui est branché sur le réseau interne du routeur intégré. Et l'adresse IP de la passerelle par défaut, va être en fait l'adresse du routeur. Donc habituellement, vous allez avoir une adresse qui va commencer par 192.168.1.1. En ce qui me concerne, mon adresse est complètement différente, mais c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir trouver l'information. Alors dans mon plan, je vais mettre l'adresse IP qu'on retrouve par défaut, qui est 192.168.1.1, 24 bits de masse de sous-réseau, donc /24, pour l'adresse IP à l'interne. Pour avoir cette information-là, évidemment, je vais avoir besoin d'un ordinateur qui est branché dans la partie commutateur. Donc, je vais avoir ici un laptop, dans le fond, qui est branché dans le commutateur ici. Et lui, ben, ce laptop-là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est un autre qui est un client DHCP, c'est-à-dire qu'il va recevoir son adressage IP du serveur DHCP de la partie interne qui est ici. Alors, c'est comme ça que ça va fonctionner. On a une question dans la salle. Le laptop pouvait aussi être connecté au access point? Oui, le laptop peut être aussi connecté au access point, mais évidemment, je vais mettre un autre laptop pour illustrer ce propos-là. Comme ça, ben, on va voir qu'un autre peut être connecté d'une manière ou d'une autre à notre réseau. Fait que je vais mettre un laptop là, avec une interface sans fil comme ça, puis l'autre qui est ici. Oups, là. Je suis en train de faire un deuxième. Alors, l'autre qui est ici, qui va être aussi un client DHCP, mais utilise évidemment la connexion sans fil de notre réseau. Alors, je vais me rapprocher le tout. Question de rendre ce plan un petit peu plus serré. Là. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Fait que ça devrait ressembler pas mal à ça à l'interne. Évidemment, client DHCP veut dire que je vais avoir un adressage IP, mais qui va être en fonction, évidemment, de la configuration du serveur DHCP interne, bien entendu. Il reste une carte externe à notre routeur. Pourquoi cette carte externe-là? Bien, elle va être branchée souvent sur le modem haute vitesse de notre fournisseur d'accès Internet, donc qui peut ressembler à... Bon, tiens, ici, on en a un super beau, vraiment extraordinaire. Fait qu'on a notre modem haute vitesse de notre fournisseur d'accès Internet. Je vais mettre modem haute vitesse, même si le mot modem n'est pas vraiment un terme qui est extraordinaire. Je vais mettre la carte externe juste un peu plus bas, l'information. Et ce modem haute vitesse-là, évidemment, lui va avoir une connexion à Internet qui, dans un plan, est symbolisée par un nuage, tout simplement. On a juste à connecter notre périphérique au nuage, tout simplement comme ça. Okay? Alors, évidemment, le modem haute vitesse, puis là, bien, le modem haute vitesse, ça va, en réalité, c'est un pont entre Ethernet, qui est notre réseau local, donc notre pont entre le réseau de type Ethernet au niveau physique et la technologie du FAI. Donc, ça peut être évidemment... De la fibre optique, ça peut être du câble coaxial, ça peut être de la DSL. Donc, la machine que tu vas utiliser ici là, va vraiment dépendre de la technologie du fournisseur d'accès Internet, évidemment. Quand je dis un pont, c'est un pont, ça sert en réseau à relier deux réseaux physiquement différents.
Hein, ce n'est pas un modem. Un modem, ça sert à moduler puis à démoduler. Ici, on démodule rien puis on module rien. Un modulateur, démodulateur, c'est les vieux modems qu'on voyait à l'époque. Maintenant, ça reste numérique. Il n'y a pas de son qui se passe dans le câble. Donc, c'est pour ça que le mot modem est un peu galvaudé. Puis je vous dirais que j'aurais tendance à le mettre avec entre guillemets, question de relativiser ce terme-là. Évidemment, la majorité des gens vont l'appeler quand même modem haute vitesse. Là. C'est pour ça qu'on utilise ce mot-là encore. La carte externe a une adresse IP. Pour ça, il va falloir consulter le site web de notre routeur intégré. Et dans la section status, fait que j'ai été chercher une image là, de à quoi ça pourrait ressembler avec un Linksys. Dans la section status, donc état, on a l'adresse IP. Et si on remarque ici, on a une adresse IP de classe B, hein, parce que ça commence par 128, et c'est une adresse IP publique. Donc, 128.193.247.15. Ça, c'est attribué par le fournisseur d'accès Internet. Et c'est l'adresse IP qui va être publique. Alors, évidemment, il va y avoir utilisation de cette adresse IP-là. OK? Donc, c'est une IP publique qui est attribuée. Il va y avoir utilisation de cette adresse IP-là pour l'ensemble de toutes les autres de notre réseau local. Notre fournisseur, pas notre fournisseur, mais notre routeur intégré qui est illustré à l'intérieur du carré blanc qui est ici, du rectangle blanc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en réalité deux choses. Il va faire ce qu'on appelle du NAT et du PAT pour pouvoir partager la même adresse IP pour toutes les autres qui sont à l'intérieur. Et évidemment, l'explication du NAT et du PAT ne fera pas l'objet de cette vidéo-là, mais une autre vidéo plus tard, vous pourrez voir évidemment la configuration ou comment fonctionne pour de vrai cet élément-là. Donc, c'était l'explication des constituants d'un routeur, si je peux finir par l'écrire comme il faut, intégré. Et voilà. Donc, j'ai mon plan qui est pas si pire. Est-ce que j'avais déjà fait un titre en haut? Ah, ben oui, j'avais déjà fait mon titre. Et voilà ce qu'il fallait démontrer.